Je me présente, Luce Gaudreau. La musique, pour moi, ça fait vraiment partie de moi, de ma vie. Le chant, c'était mon instrument, mon médium. Je m'appelle Isabelle Harvey. J'étais toute jeune, puis j'ai entendu le son du violoncelle, justement, c'est un arrangement de Francis Cabrel. J'ai vraiment aimé. Moi, c'est sûr que c'était le violoncelle et j'ai jamais arrêté depuis. Je me suis inscrite au Collège d'Alma. Très tôt, j'ai découvert que j'ai deux passions. J'ai la musique, j'ai aussi l'enseignement. Qu'est-ce que j'aime d'enseigner, c'est de transmettre finalement un savoir. De transmettre ce que je ressens de mon instrument, de transmettre mon goût du beau. L'interaction que j'ai avec les élèves aussi, le côté humain que j'aime beaucoup. Des fois, on est professeur, puis des fois, je dis on est psychologue aussi en même temps, là. Chacun a son vécu, chacun parle avec les émotions, dans les émotions de la musique, c'est de l'interpréter d'une manière différente. On a un lien assez particulier avec un élève. Quand on enseigne, on est un professeur, un étudiant. De voir que les moyens qu'on lui donne aussi lui permettent de mieux s'exprimer. On travaille la personne, surtout le chant, parce que ça fait partie du corps humain. Plus l'élève est capable de s'exprimer facilement à travers son instrument, plus il grandit aussi de façon personnelle. Souvent, on reçoit des élèves qui ne sont pas nécessairement à niveau. Ces élèves-là, on les a juste 6 sessions. Pour tout leur transmettre ce bagage-là, qui est très, très concentré, et d'arriver à les présenter à l'épreuve synthèse à la fin, pour moi, c'est un gros dépassement aussi. Ce n'est pas toujours facile, parce que des fois, il faut vraiment pédaler, mais les élèves, il y a tellement une belle réception, parce que c'est des élèves qui veulent vraiment travailler, qui veulent apprendre, qui veulent se rendre au bout. On a comme une mission, c'est que l'élève parte d'ici et qui a été heureux pendant le temps qu'il a été ici, puis qu'il puisse se servir de tout ça, de tout ce bagage-là, dans ce qu'il décidera de faire. Ça, c'est une grande fierté pour moi.